Voici le tableau de variation d'une fonction f. Comparez, si possible, les nombres suivants en justifiant. Petit a, f de moins 2 et f de moins 1. F de moins 2, c'est 5 demi. F de moins 1, j'en sais rien, moi. Pour moins 1, il n'est pas là, mais la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 2, 0. Donc f de moins 2 est plus grand que f de moins 1. Petit b. F de 1 tiers et f de 3 demi. F 1 tiers, 0,3, 1,5. 0,3 est par là, 1,5 est là. Ces deux nombres sont dans l'intervalle 0, 0,5. Et sur cet intervalle, la fonction est croissante. Donc, c'est clair. 1 sur 3 plus petit que 3,5. Donc, f de 1 sur 3 est plus petit que f de 3,5. Petit c, f de moins 1. Et f de 1. F de moins 1 c'est pas là, donc c'est ici, c'est un nombre entre 5 demi et moins 1. Et f de 1, c'est un nombre entre f de 1, c'est un nombre entre moins 1 et 6. Alors là, je ne sais pas qui est plus grand que qui. Hein. Ça dépend de la décroissance de notre fonction. Si ici la décroissance est rapide, la croissance est lente, c'est pas sûr qui est plus grand que qui. On ne peut pas décider. Petit d, f de 3,5 et f de 3,7. 3,6 et 3,7. Tous les deux sont dans cet intervalle où la fonction est croissante. Il n'y a pas photo. E, f de 3,5. Et f de 4. 3,5 c'est 1,5. F de 4 c'est f de 4. 3,5 et 4 se trouvent dans cet intervalle où toujours la fonction est strictement croissante. La même chose, pas de photo. Et petit f, f de moins 5 et f de moins 3. Moins 5 et moins 3. Mais tous les deux, moins 5 et moins 3, sont dans l'intervalle où la fonction est croissante. Donc, pas photo non plus. Moins 5 inférieur à moins 3. Donc, f de moins 5 inférieur à f de moins 3.